salut tout le monde, c'est quoi moi Gus, bienvenue sur le Tour Extrême numéro 2, la 8ème étape, 263,7 km, et voilà, 8 fois ce que leur catégorie. Non, quoi, je suis désolé, ce n'est pas un hors catégorie, c'est un première catégorie. Voilà, excuse-moi d'intervenir pour te le dire, mais tu as tort. Ok, bon, excusez-moi, 8 fois un col de première catégorie, je reprends. Et enfin, la montée finale qui n'est ni plus ni moins que la même montée, le même col, sauf qu'on n'ira pas jusqu'en haut, on ira un petit peu plus bas. Voilà, donc on va passer aussi 8 fois sans y arriver, et la 9ème sera la bonne pour l'arrivée finale. Voilà. Excusez-moi, hein, je me suis trompé, quelqu'un est intervenu, voilà, c'est comme ça, ça arrive. Bref, le classement général, un peu de sérieux s'il vous plaît. Nibali, Froome, Wengus, Pharaon, Mysterio, Diogo, Gomis, Revolution, Rémi, Miek, Aikinen et Joachim Rodriguez 11e. 35 minutes quand même pour le 10e. Après, c'est vrai qu'il y a quelques petits écarts, il peut regagner encore une petite place là. Lui, là, voilà, il n'y a que 5 minutes d'écart seulement sur le 6. Là, il y a quand même un petit écart, 7 minutes, mais bon, voilà, il n'y a que 5 minutes d'écart, hein, donc tout est jouable. Là, ça va être une étape assez compliquée. Je vais vous expliquer pourquoi. Car en fait, si mes souvenirs sont bons, c'est une étape qui se passe sur une route étroite. Et oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la place pour tout le monde sur la route. Donc ça va se bousculer, ça va se bagarrer, il va y avoir des cassures et tout. Comme souvent sur PCM, vous savez, quand ça monte et descend très rapidement, comme sur Lech Bessenlech par exemple, dès que ça remonte violemment, il y a des gros blocs et ça casse de partout. Et là, à mon avis, ça risque de faire pareil. Voilà. Sinon, avant de lancer la course, je voulais vous remercier, hein, déjà là, parce que nous sommes le mardi. Nous sommes mardi matin, et pas mal de commentaires hein, sur la vidéo de l'étape 7 avec les inscriptions. Beaucoup de commentaires, je dirais même, il y a 75 commentaires, tout comme ça. C'est monstrueux. Bon, il y en a le double, parce que je réponds quasiment à tous, donc du coup, il y a un petit peu le double, mais il y a 75 commentaires, voire presque 80 commentaires de personnes. Waouh. C'est énorme, je m'attendais pas du tout. Voilà, sinon, ça me fait super plaisir, que vous soyez enthousiaste, comme ça, ça me fera une bonne trentaine à peu près de cours à rajouter. Donc ça ferait en gros 67 coureurs pour le Tour Extrême 3 et pour la carrière. Et encore, nous en sommes qu'au Tour Extrême 3. Nous sommes que le lundi, enfin mardi, mais je veux dire, il n'y a que le lundi où j'ai vu. Il y a encore toute la semaine pour s'inscrire, donc il y a moyen d'être quasiment tout le peloton avec des coureurs créés. Imaginez, un peloton rempli de coureurs créés, ça serait superbe. Voilà, et bah écoutez, sur ce, il est temps d'y aller. C'est parti pour la 8ème étape. La forme des coureurs, 3, ça peut encore aller. Il faut avoir la forme sur cette étape-là, hein. Il faut avoir la forme. Et on verra si on va l'avoir ou pas. Sur ce, rendez-vous pour le départ de cette 8ème étape du Tour Extrême numéro 2. Créée, vous le savez, mais je vais le dire, par votre serviteur, Quamon Aegus. Et c'est pour votre plaisir, et pour le mien aussi, bien sûr, ça fait super plaisir de jouer avec vos noms, vous voir réagir en commentaire et tout. C'est du bonheur, ça fait plaisir, je suis là pour ça, moi, voilà, pour du plaisir, tout ça. Bref, je raconte ma vie, on s'en fout, quoi, ferme ta... Et lance la course, s'il te plaît. Ok, c'est parti. Et nous voici donc au départ, cette 8ème étape, voilà. Vous le voyez directement déjà, la route est bel et bien étroite, comme je vous l'avais dit. Eh oui, mes souvenirs étaient bons. Et enfin, on va découvrir ce profil, le profil. Ouais, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. 8 fois donc cette montée. C'est pas aussi compliqué que je l'aurais espéré ou dans mes souvenirs, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Ça va encore, enfin, bon, c'est assez violent, bien sûr. Hein. Puis 8 fois le montée, ça va être très compliqué, surtout qu'une petite route étroite comme ça l'est. Mais bon, voilà, bon, il y a des passages en noir, vous voyez, il y a 3 passages en noir, mais sinon, bon, c'est pas... Il y a eu plus dur, on va dire, voilà, il y a eu plus dur sur le Tour Extrême, hein. Mais bon, je pense que ça va faire quand même pas mal de dégâts, et surtout, comme je vous l'ai déjà dit dans l'intro avant la course, c'est que, bah, ça va casser, ça va revenir, ça va casser, ça va revenir, et puis à un moment donné, ça va casser, et ça ne reviendra plus, et oui. Donc niveau des hors délais, à mon avis, attention, même si l'étape est très longue, hein, 263 bornes, donc les hors délais, ça va être dans les alentours de
1h15, 1h20, je pense. Mais bon, nous verrons bien. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, moi, je vais essayer de gérer au curseur le plus possible pour pas me faire enfermer, justement, pour pas être bloqué. Parce que ça va être ça, hein, tout le truc, ça va être ça, hein, ne pas se faire enfermer. À noter aussi bah, que je montrerai les deux premiers cols. Et ensuite, nous irons directement à l'antépénultième tour. Ah, qu'est-ce que l'antépénultième tour? Je vous le demande. Alors certains, bien sûr, vont dire, mais quoi, tu nous prends pour des cons? Eh oh, je sais ce que c'est l'antépénultième tour. Et d'autres, bah, si vous ne le savez pas, bah, écoutez, il n'y a pas de honte à ne pas le savoir. Hein. C'est pas un mot qu'on emploie non plus comme ça tous les jours, hein, c'est logique. Tout simplement, l'antépénultième tour, c'est avant-dernier tour, donc c'est-à-dire à peu près ici. Voilà. Le dernier tour, c'est bien sûr celui-là, l'avant-dernier, l'antépénultième, et voilà. Vous avez appris un mot, vous êtes content, merci Quam, ça nous fait plaisir. Eh oui. Alors, pendant que je parle, il y a eu des attaques. Betancourt, Häkkinen de la Belkin, Augereau de la Lamprey, Quintana et Engrand. Voilà Engrand de la FDJ. Voilà ce que je vous disais, voilà, regardez. Là, ça monte. Et derrière, ça bouchonne. Voilà. Vous voyez, par contre, là, voilà. Sorensen n'avance plus. Tout comme Keselowski, Serpa, Tandem, voilà. Ah là 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 Ça là, bloque. c'est encore une giclette del Et pistolero. attaque de Cantador! Attaque de Alberto Cantador. Alors que c'est la BMC qui roule fort là. Bon, je vais pas m'enflammer moi, mais bon, là faut que je reste quand même au contact, mais voilà. Alors que ça casse, vous voyez encore là. 14 coureurs sont partis devant. Ça va faire que ça pendant toute l'étape, hein, je vous le dis. Ça va être, voilà. Bon, ça va être à moi d'être bien placé devant, comme je vous l'ai signalé, parce que voilà. Et en tout cas, la BMC qui roule. La BMC n'hésite pas à rouler. Quam qui s'est mal placé là, attention, Quam ne va pas te faire enfermer. Donc il y a 9 lâchés déjà. Et eux qui ne reviendront pas, donc Tendam, Kieselowski, Henao, Roche, Jenson, Vandenbroucke, Bora, Rogers, Sorensen. Et Serpa. Ah si, ils sont revenus, mais voilà, mais ça va recasser là. Et voilà. Donc à mon avis, il y a 3 Saxo Bank là, attention. Enfin, Saxo Tinkoff, excusez-moi, à chaque fois je dis. Enfin, je dis souvent Saxo Bank, mais Saxo Tinkoff. Un co-sponsor russe, hein, quand même, je devrais le retenir, bordel. Bref, là, on est mal placé avec Quam là, on est mal placé, mais bon. Écoutez, hein. Moi je monte à mon rythme. Y a pas de danger pour l'instant. Est-ce que derrière ça revient? Et voilà, non, et non, non, non. Ces 7 coureurs-là ne peuvent pas. Ah, moins que. Et voilà. Alors, ça qui m'agace moi dans PCM, c'est n'importe quoi. Des fois, il y a 3 minutes, il suffit d'une montée comme ça pour que pour que les gars reviennent au peloton. C'est n'importe quoi. C'est ridicule, malheureusement. Mais bon, que voulez-vous, hein, c'est comme ça. C'est pas non plus dramatique, hein. Mais disons que voilà, moi j'espérais là, voilà, qu'il y ait déjà 9 lâchés. Eh ben non, ils sont revenus dans le peloton. Ah, à savoir quand même que là ils sont revenus, mais ils pourront pas toujours revenir. Voilà, c'est ça aussi. Mais là il y avait quand même 3 minutes, hein, et voilà. Bon, bah, écoutez, voilà, encore 10 lâchés, mais voilà, on sait très bien que ils reviendront dès que ça remontera tout à l'heure, quoi. Je regarde juste fait s'il n'y a pas des coureurs. Non, ça va, il n'y a personne. Allez, Joachim, les petits bidons. Pendant que Quam essaye de se replacer. C'est bien, Quam, bien joué. Voilà, bah, encore une fois, merci pour donc, ouais, tous vos commentaires, franchement. Sinon, oui, donc là, enfin, vous le voyez pas spécialement encore, mais vous le verrez certainement sur le TE3. Grâce à Loïc et j'ai des équipements, plein de maillots pour la team Katusha. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, j'ai plein de choses. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà, les gants par exemple, les chaussures, les chaussettes. Voilà, j'ai plein de petites choses, les bouteilles et tout. Plein de choses sympathiques là pour la team Katusha, tout simplement. Voilà. Je tiens aussi à dire que. Alors, je vais pas dire qui ni quoi. Là, vous allez me dire, mais quoi, ça sert à quoi que tu nous parles de ça alors si tu nous dis rien? Oui, bon, ok.
Non, voilà, en fait, voilà, on m'a proposé quelque chose pour la future carrière et en fait, je vais y réfléchir sérieusement parce que c'est vraiment une bonne idée. J'y ai déjà pensé un petit peu, enfin, j'ai déjà un petit peu parlé de ça, que voilà. Et au final, bah voilà, lui il m'a proposé un truc bien sérieux, tout ça. Et donc pourquoi pas? J'essaierai d'en parler avec lui dès que je le pourrai. Et pourquoi pas mettre ça en place pour la carrière extrême, voilà. Ça sera pas pour les tours extrêmes parce que. Voilà. Vous me dites, ouais, mais c'est pas de quoi tu parles, quoi, mais ça sert à rien. Oui, je sais, mais bon. Moi, je sais de quoi je parle, donc du coup, je vous dis, ce sera pas pour les tours extrêmes, mais ce sera pour la future carrière sur le 2014. J'allais rajouter voilà, mais je me suis rendu compte que je disais beaucoup voilà. Donc, je vais arrêter de dire voilà. Voilà. Bref. Allez, c'est parti pour le deuxième tour. Et après, donc, comme je vous l'ai dit, on se quittera et on se retrouvera plus tard. Soit directement à l'antépénultième tour. Soit, si bah s'il y a un événement, je sais pas, une cassure, une chute, une crevaison, ou je sais pas moi, s'il y a quelque chose, on ira voir quoi. Sinon, toujours 6 coureurs devant, donc avec en grand Ojuro, Betancourt, Quintana, Häkkinen et Contador. Häkkinen le 10e au général tout de même, hein, attention. Ozora disait que ça que c'était souvent Joe qui attaquait, que lui protégeait Häkkinen. Mais là pour le coup c'est Häkkinen qui part, voilà. Le dixième qui prend ses responsabilités et qui part directement. Il faut tenter, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Donc là moi en tout cas je vais rester dans le peloton, là je vais rester tranquillement, là je vais pas rouler ni rien. Après le sprint je commencerai peut-être à accélérer un petit peu moi devant le peloton. Histoire de fatiguer un petit peu, hein, de crever un petit peu tout ça. 91 coureurs seulement dans ce peloton, enfin 85 plus les 6 de devant bien sûr. 91 rescapés. Et à mon avis, on ne finira pas encore à 91 là. Donc là, je vais me mettre au curseur, histoire de ne pas me faire trop bloquer. Voilà, passe à gauche quand même, c'est bien. C'est good. Histoire de ne pas me faire bloquer, voilà. Et donc oui, donc 91 rescapés, et à mon avis, on finira pas. Il va encore y avoir des hors délais à mon avis. Hein. Je pense. Donc là nous sommes. Enfin la vidéo c'est pour mercredi. Donc mercredi, après jeudi, vendredi, ce sera le fameux contre-la-montre de 60 et quelques kilomètres. Qui monte fort, qui descend fort et qui remonte très fort. Et enfin, ouais, donc dimanche, la 10e et dernière étape. Qui va être aussi celle-là. Très 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 difficile. Ça par contre, ça, je peux vous le dire, ce sera très difficile. Et là encore une fois, voilà, il y aura à mon avis pas mal de hors délais. Donc le vert va vraiment beaucoup nous manquer déjà là, ça va nous faire mal. Le contre-la-montre va nous faire mal aussi. Donc ouais, ça va être assez. Voilà, donc dans cette montée, je vais parler un petit peu du TE3. Donc le TE3, il y aura un seul contre-la-montre. Donc il va falloir gérer. Il y aura au moins une étape de pavé. Il n'y aura pas 50, hein, il y en aura peut-être deux. Voilà, tout simplement. Deux étapes de pavé. Et puis sinon, bah voilà, ce sont des étapes comme d'habitude, très difficiles, longues surtout. Il y aura peut-être une étape comme j'avais fait sur ce tour ici, là, sur le tour extrême, peut-être une étape très courte, mais très 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 difficile au niveau de la montée. Pour espérer encore une fois casser ce peloton. Bien que là, au final, vu tous les coureurs créés qu'il y aura, à mon avis. Du coup, plus il y aura de coureurs créés, moins il y aura d'hors délais, hein, c'est logique. Et du coup, moins moi j'aurai à rouler pour faire des cassures, et donc moins je perdrai de coureurs. Et aussi, ouais, là, donc, vu le nombre de coureurs créés qui risque d'y avoir, il est possible qu'il y ait deux ou trois coureurs avec moi au final. Nous verrons bien ça. Voilà. Pour l'instant, nous sommes 67, il me semble, 65. Non, il y en a un petit peu moins, mais j'ai un petit peu emballé tout à l'heure. Je crois qu'il y a 20, il y a 23 inscrits pour l'instant, ouais. Donc pour l'instant, nous sommes 60 coureurs, voilà, 60. Ce qui est déjà énorme, hein, franchement. 23 inscrits en une journée. Mais toi, faut voir, est-ce qu'il va y en avoir d'autres après? Là, je ne sais pas. Nous verrons bien. Nous verrons bien. En tout cas, déjà 60 coureurs, ce serait déjà excellent. Ça fait un tiers du peloton, hein, donc c'est monstrueux.
Alors pour les tours extrêmes, ça va être un peu bizarre. C'est vrai qu'avec tous ces cours à créer, ça va être assez chaud. Mais pour la carrière, par contre, ça va être excellent car là, justement, on croisera des coureurs un peu partout. Ça va être bien sympa. Donc il y a des jours où forcément, il y en a parmi vous qui ne seront pas dans la course, donc voilà, vous ne serez pas concernés, certainement. Mais voilà, il y a des courses où vous serez concernés. Eh oui. Car vous ne participerez pas à toutes les courses, hein, c'est évident. Tout comme Quam ne participera pas à toutes les courses. Enfin bref, nous verrons bien tout ça. C'est pour le mois de juin, on a encore le temps d'en parler. Mais en tout cas, pour le 2 Tour Extrême, bah voilà quoi, il y aura. Tous les coureurs seront là, seront partants. Ça fera presque du ladder au final après, parce que il y aura tellement de leaders avec les mêmes notes au final que ça fera du ladder. Voilà, sur ce, moi je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc selon les événements de la course, soit très rapidement, soit un petit peu plus tard. Pour l'antépénultième tour. Voilà. Allez, à tout de suite. Oui, enfin, je dis ça pour vous, ça ne change rien. Hein. Que ce soit plus tard ou maintenant, vous, c'est dans la seconde même, donc voilà. Je dis encore de la merde, hein, du coup. Allez, je ferme ma gueule et je vous dis à tout de suite. Et nous voici à 110 km de l'arrivée, au moment où 4 coureurs attaquent Banana, Ivanov, Damien Rose et Grolard qui ont attaqué. Vous voyez qu'il y a déjà quelques écarts là, mon fils, voilà, il y a quand même des lâchés Borgerson et Yatchenko, mais ça va revenir, tout ça va revenir. Par contre derrière, attention, derrière, voilà, il y a Richie Porte, il y a quand même pas mal de monde là. Joe, Vincenzo Joe qui n'est pas du tout en forme. Joe qui est là, attention, le 19e au classement général qui est très 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 loin déjà. Attention aussi pour leur délai. Méfions-nous. Ensuite il y a qui d'autre? Tari, lolala, Tari l'américain. Tari, il est là aussi, il est très loin. Alors, et là, voilà, il y a déjà beaucoup de lâchés là. Et là, c'est fini. Là, pour tous ces coureurs-là, ça va être très dur. Et là, donc, nous sommes un petit groupe là de 57 coureurs seulement. Bon, d'ailleurs, je pense que ça va revenir. Les 6 à l'arrière vont revenir, mais après, ça va être plus compliqué. Voilà, c'était un petit peu pour vous montrer. Donc, surtout l'attaque et les lâchés. Voilà, donc, Banana, Grelard, Ivanov et Damien Rose. Allez, à tout de suite, on se retrouve pour la suite des événements. Et voilà, on se retrouve à 76 km de l'arrivée pour la dernière partie de cette course. Avec toujours les 4 là qui vont revenir sur les 6 de devant. Je vous rappelle les noms: Aikinen, Ojuro, Betancourt, Quintana, Contador en grand. Et les 4 de devant, derrière, excusez-moi, Ivanov, Rose, Grolard et Banana. Le peloton n'est pas très loin, 2046. Plus que 30 coureurs avec la Evans lâché, Loïc est lâché, Théo Monfils, Vroom, Julien Desson, Perrault. Oh là 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 là, il y a déjà de gros dégâts. Abibulga toujours en balade avec Louis Rémy. Ici nous avons, on s'en fout, on s'en fout. Perez lâché aussi. Joe, très loin, voilà, et puis comme je vous l'ai dit, voilà, donc. Gomis est toujours là, a priori, on va aller voir ça. Gomis, il est là, Gomis, il est là. Et là, bon, bah moi je vais. Bah, pour l'instant, je me contente de suivre. Enfin, j'ai roulé un petit peu, je vous l'ai dit, sur les deux derniers. Voilà, j'ai du mal à parler, bordel. Sur les deux derniers tours, excusez-moi, j'ai accéléré un tout petit peu. Mais là, j'essaie de, voilà, de me contenter de suivre un petit peu aussi pour pas non plus trop me fatiguer, ça sert à rien. Je vais bientôt rouler, ne vous inquiétez pas. Pardon, est-ce que j'ai du mal avec ma voix aujourd'hui. Voilà, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu quand même là. Pas trop non plus, hein, voilà, ça d'aller trop fort non plus, mais voilà. On m'a accéléré pour voir un peu ce qui se passe derrière, voir qui suit, qui peut, qui ne peut pas. On voit que André Best est toujours là pour protéger Vincenzo Nibali. French Wilson n'est pas loin. Est-ce que ça craque derrière? Eh, ça craque là avec Black War, Uchoft, Lastar, Schleck. Trois rares de chaque là qui lâchent. Kaplan, Cotin, Fuglsang ont du mal, Machete, Isachenko, The Pin. Attention, c'est dur aussi pour Vince Rodriguez, pour Borgerson, il accroche. Et ça accélère, Nibali qui accélère.
Nibali accélère, attention. Nibali parti là avec André Best. Froome est là. Enfin, je suppose que c'est Froome. Oui, c'est Froome. Et attention à l'accélération de Nibali, là, de Froome aussi qui accélère. Allez, quoi, mais il faut pas décrocher là, il faut rester. Donc, nous sommes plus qu'un petit groupe là de 10 coureurs. Ça a l'air dur pour French Evolution. Grosse accélération là, Vincenzo Nibali qui est parti, à mon avis, pour aller remporter cette victoire. Là, ça y rattrape déjà le groupe de devant. Alors que Froome est parti aussi, attention là, attention à Froome. Attaque de Quintana. Allez, il faudrait reprendre ce groupe là, ce serait bien là. Ouais, Gilles Nibali est parti pour gagner parce qu'il a l'air très fort, hein. Voilà, je sais pas, on verra bien, bien sûr. Mais à mon avis, il a l'air très 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 fort. Mais bon. La course est encore longue, il y a encore 60 bornes, hein, mine de rien. Alors que ça attaque là. Attaque les bananas. Qui relance une attaque avec Grelard encore. Et du coup là, ouais, moi je vais pas rouler moi. Non, c'est pas à moi de rouler. Attaque de Florian Lenul aussi, attention. Florian Lenul qui attaque. Mais voilà, l'Astana, il y a toujours André Best qui est là. On va faire un petit topo de qui est là quand même. Donc Aikinen, Augereau, Engrand, Contador, Faran, Bettencourt. J'ai du mal. Revolution, Froome, Best. Augereau est là aussi. Tout, 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 tout. Best encore, je l'ai dit. Diogo est là. Mysterio est là aussi. Voilà, bon petit groupe. Oh là là là, la voix que j'ai. Derrière, Ozora et Wiggins, suivi de Van Aert. Waouh, excusez-moi pour ma voix cassée. Astana, quand même 3 coureurs. Mais là, Nibali a annoncé la couleur, quoi, en accélérant comme ça. Il a dit, moi je suis là, je suis en forme. Je suis pas là pour rigoler. Alors que ça revient là avec Van Aert, Ozora. Voilà, Kinen, Ozora ensemble. Malheureusement, Joe est très 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 loin dans la course. Ah, j'ai cru voir ces Gomis là. Ouais. Borgerten et Rose, non, c'est Borgerten et Rose là qui sont là. Oh là 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 là, il y a des coureurs un petit peu partout. Ouais, Gomis est là seulement. Gomis est très très loin. Le 7ème au général quand même, attention. Il va encore y avoir du chamboulement au classement général, hein, comme sur chaque étape, de toute façon, quasiment. Ça bouge beaucoup. Alors que ça ne roule plus, là, dans le peloton. Devant, donc, il y a Banana. Banana et Florian Lenul. Ivanov. Grelard. Et Quintana qui est parti. J'ai dit que Nibali était parti pour la victoire, mais c'est pas sûr. Hein, 5 minutes 30 d'avance. Ah non, 3 minutes d'avance. Non, ça. 5 minutes 40 d'avance. Groupe de 17, ça va revenir de derrière aussi. Moi pour l'instant, bah, j'ai pas trop d'efforts à faire, ça sert à rien. Hein. Ça ne sert absolument à rien du tout, même. Je vais se rouler un petit peu plus fort tout à l'heure quand ça va remonter au virage où ça peut bloquer tout ça. Juste aller voir vite fait rapidement. Les derniers, par exemple, ici sont à combien? Ils sont à 16 minutes 40 de retard déjà. Après, voilà, leur délai, honnêtement, je pense pas qu'il y en aura. Enfin, on verra bien, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il y en aura. Allez, là, faut que j'accélère un petit peu quand même. Pour voir si ça suit. De toute façon, Nibali va accélérer aussi, là, dans cette montée. Donc, j'anticipe un petit peu pour être bien placé. Quand il accélérera. Car ça ne fait aucun doute qu'il va accélérer, Nibali, hein. Tout à l'heure il l'a fait, je vois pas pourquoi il le ferait pas à nouveau. Niveau du vert, ça devrait pas trop mal se passer. Alors que Best part tout seul. Best que... Ah là là, voilà, je suis bloqué. Oh, belle stratégie là de Zatana qui a failli me bloquer. Alors que nous sommes plus que 9. C'est difficile pour Diogo.
Frantz Evolution a terminé son travail, c'est fini pour lui. Rodriguez, Ojuro, c'est fini. Ozora, Aikinen. Bah, Ozora qui protège Aikinen, hein, voilà. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Solidarité du côté de la Belkin à chaque fois. Regardez la pente ici. C'est bien, je suis revenu tranquillement dans la roue de Vincenzo Nibali. Ça, la roue n'est pas lâchée. Hein. Allez, Froome, s'il pouvait lâcher, ce serait cool. Ça pourrait m'assurer une deuxième place au classement général. Voilà, c'est dur là. C'est fini pour Contador. C'est dur pour Mysterio, pour Diogo. Froome qui se fait un petit peu tasser là par Engrand. Allez, et on part à 4. On part à 4. Banana qui le nul, qui ne peuvent pas suivre. Ah non, ni. Pharan, Froome. Pharan, pourquoi tu roules? Pharan qui roule pour Froome. On ne sait pas pourquoi, mais il roule pour Froome. Bon. Allez, Kwam, accroche la roue de Nibali, au moins jusqu'à la descente, ça serait cool. Ah là, c'est dur, hein. Oh là, Nibali, mais comme il roule fort, Nibali. Waouh, mais il roule trop fort, là. Il roule trop fort pour moi. Pharan qui ramène Froome, merci Pharan, merci Charles. Charles Pharan, vainqueur de deux étapes sur son tour extrême. C'est fini pour Grelard. Et Nibali qui, regardez, mais Nibali, ils vont les protéger, certes. Mais moi, je suis à 80 d'effort quand même, et j'arrive pas à revenir, hein. C'est... Bien joué Pharan, on est allé chez Froome. Froome qui fait un gros effort pour revenir, mais voilà. Oh là 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 là. Nibali, peut-être qu'il bloque là, je ne sais pas. Non, non, je pense pas qu'il bloque. Hein. Je pense que là, il gère tranquillement sa montée. Il est protégé, lui, toujours. Hein. Donc voilà, il n'y a aucun danger pour lui. Ah, voilà. Alors, sur le bord de la... Et nous sommes revenus sur Quintana. Nous sommes revenus sur Quintana. C'est bien quand même qu'à accrocher là. Bon, je suis pas mal crevé, mais j'ai accroché le... C'est bon. Voilà, Pharan. Maintenant, qui va rouler? Quintana est là. Froome avec le nul. Moi, j'ai aucun intérêt. Enfin, si, j'ai un intérêt à rouler, vous allez me dire, parce que. Je dois lâcher Froome. Mais bon, ouais, j'ai pas envie non plus de me crever. Ça sert à rien. Je veux pas perdre non plus 10 minutes dans la montée. Engrand. Grelard. Puis après, beaucoup plus loin, voilà, il y a Mysterio. Joachim. Ivanov. Banana. Diogo. Et on va sur Kwam quand même pour pas, on sait jamais, ne pas risquer de me faire lâcher pour rien. Que de, voilà, voilà, et ça bouge en tout cas, hein, vous voyez. Les écarts sont pas énormes, hein, jusqu'au, dans les 20-30 premiers, mais après par contre, j'ai un peu peur pour certains honnêtement, j'ai un peu peur pour certains. J'ai peur, ouais, pour bah, ceux qui étaient lâchés tout à l'heure, hein, voilà, donc j'ai un petit peu peur pour eux, mais bon. En tout cas, Pharan est là, Pharan est très fort encore. C'est même lui qui va rouler. Charles Pharan, vainqueur de deux étapes sur ce tour extrême. Et c'est parti, les trois. Le quatrième, le troisième et le premier. Il manque Froome, le deuxième, il est où? Où il est loin, Froome, il est loin. Il est avec Florent Lenu qui ne va pas rouler normalement. Retour de Engrand. Grelard qui devrait revenir sur eux, je pense. Et voilà, Froome qui ne roule plus. Froome est à 2 minutes. Ou Pharan qui lâche. Pharan qui ne peut pas suivre l'accélération de Vincenzo Nibali. Pharan qui est lâché. Alors qu'il y a 16 km. Ah, moi je. Ouais, bon. J'essaye de résister. C'est pas gagné. Mais j'essaie de résister là, honnêtement. Là. Mais Pharan lâché le 3ème au classement. Le 4ème au classement général. Attention, il reste 15 km là. Bon, je vais rester concentré devant. Désolé pour ce qui se passe derrière, mais là je suis concentré. Je suis avec Nibali. Nibali qui mène. Alors, comme il ne va pas rouler, hein, comme il ne roulera pas avec Nibali. Et là, il va falloir suivre, c'est tout. Quoi. Il va falloir essayer de suivre les la puissance de Nibali. Vincenzo Nibali, quand même, là... Enfin, il fait beaucoup d'efforts. Alors après, voilà, mon Kwam, vous voyez les pulsations aussi, ça monte, bien sûr. Mais voilà. On va prendre un dernier petit bidon. Voilà. Un dernier petit bidon. Et là, bah, écoutez, moi, je vais essayer de suivre Nibali. Hein. Je sais pas comment, mais je vais essayer de suivre. Et l'attaque. Nibali qui attaque. Attaque de Vincenzo Nibali. Oh là là, grosse attaque de Nibali. Mais là, attention, il fait beaucoup d'efforts. Beaucoup, beaucoup trop d'efforts, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Ouf. Chute de Diego Ulissi. Allez, Kwam.
À limiter les dégâts déjà, ce serait bien. Reprendre du temps avec les coureurs de derrière. Voilà, on va arriver là dans la partie les parties difficiles. Hein, donc pendant plus que je me crame, ce serait bien que je reste un petit peu avec du vert jusqu'à l'arrivée. Nibali, 20 secondes d'avance. Et derrière, voilà, ça roule plus du tout. Avec 3 minutes 30 de retard pour faire regarder. Il a l'arrêt. Best aussi, mais Best, belle performance de Best, hein, qui a fait une belle place, et en plus en ayant protégé Nibali, en ayant roulé tout ça, le nul, Quintana, fou, mais en grand, Grolar, Mysterio, Joaquim Rodriguez bien aussi, Ivanov, Diogo avec Banana, Contador, Revolution, Vince Rodriguez avec Ojro, Ozora, Ekinen, Borgerson, Rose, Izachenko, Gomis, Kaplan, voilà, il y a un petit peu tout le monde là. On va aller voir un petit peu ce qui se passe devant. Ouais, non, là, c'est... Non. Je me suis trompé de coureur, j'allais dire c'est mort, mais non. Allez, Kwam. Allez, Kwam, tu peux le faire, tu peux aller remplacer... Oh là là, enfin, ça va être dur, mais... Allez. Plus que 3 km de montée. Ça va être compliqué, mais bon, attention, allez, Kwam, allez. Ah, il me reste un micro millimètre de verre. Je ne sais pas si Nibali est en forme ou pas, mais... Allez, il reste 2 km. Ah non, ça va être trop juste, hein. Ça va être trop dur pour aller battre Nibali. Mais au niveau du classement, par contre, là, une très belle performance dans le sens où... Bah, je vais faire 2, quoi. Voilà, je vais prendre la place de deuxième. Je vais consolider ma place au podium et prendre la place de deuxième. Bah, bien joué, Vincenzo Nibali. Et Kwam, bah voilà, bah Kwam, il va finir deuxième, parfait. C'est bien, Nibali est trop fort. Rien à faire contre lui. Grosse équipe aussi, il faut l'avouer, avec André Best qui le protège jusqu'à la fin quasiment, vous avez vu. Voilà, ça joue beaucoup, hein. La protection, voilà, avec André Best, rien à faire. Et bah, victoire de Vincenzo Nibali. On va mettre un petit fois deux, allez. Deuxième, Kwam Angus. Voilà. Avec 2 minutes de retard, ça va encore, honnêtement, ça va. Charles Farran, André Best, un petit fois 4 même parce que c'est un petit peu long. 3ème Charles Farran, 4ème André Best, 5ème Le Nul, 6ème Quintana, 7ème Froome, 8ème Engrand, 9ème Grolar, 10ème Mysterio. Ensuite il y a Joaquim Rodriguez, Diogo, Banana, Ivanov, Contador, Revolution. Donc là on va arriver sur Betancourt, Ojro. Ils finissent au sprint les 3 là, Aikinen. Et ils vont même dépasser French Revolution. Ils finissent au sprint. Ensuite nous avons donc Ozora, Rodriguez, Borgerson, Rose, Izachenko, Blackwar, Pellastar, Machete, Zepin, Gallet, Ejdal, Cotin, Kaplan, Gomis, Uchoft. Cheval, Van Andert, Kreuziger, Wiggins, s'en fout, Schleck, Fuglsang, Abibulga, et les Kenyans toujours ensemble, hein, les Kenyans toujours ensemble. Et loin derrière, alors là, attention, là, c'est pour l'heure délai que moi je m'inquiète par contre, on va mettre un petit x8 maintenant. C'est pour l'heure délai car il y a des coureurs, il me semble qu'il y a des coureurs créés à l'arrière. Hein. Oui, il y a Taril ici. Ouais, non, ça devrait être bon, hein, 38 minutes, non, c'est bon. C'est bon, je pense. Il n'y aura peut-être aucun hors délai d'ailleurs. Pozzo Vivo, Ulissi, Roche, Jansson, Rogers, ah, pour eux par contre ça va être compliqué. Mais l'état fait des 260 bornes, donc à mon avis ça devrait aller je pense. On verra. En tout cas, belle victoire pour Vincenzo Nibali. Nouvelle victoire d'étape pour lui. Il finit à l'arrêt aussi, il finit crevé. Voyons voir les podiums. Donc Nibali, Wengus, Farran, Best, Le Nul, Quintana, Froome, Engrand, Grolar, Mysterio. Les écarts, vous voyez, 1,43, 10, 32, 10, 48, 11, 38, 12, ouais, 13, 15. Ouais, là. Belle opération encore pour Astana. Hein. Classement général, Nibali, Kwam Angus à 12,54. Oulala. Et après, Froome, Farran, Mysterio, Diogo, Revolution, Grolar, Rodriguez, Gomis. Gomis qui accroche le top 10, Rodriguez qui gagne 2 places, excellent. Maillot point, bah forcément, oui. Hein. 6 points d'avance pour Vincenzo Nibali. C'est encore jouable pour ce maillot vert, pour moi. Ah là là là. Nibali, ouais, très fort. C'est l'équipe qu'il a aussi, hein. Honnêtement, faut le reconnaître. Hein. Voilà.
Quintana, en tout cas, largement devant le maillot à poids. S'il attaque sur la table 10, je pense qu'il attaquera sur la table 10, il remportera ce maillot. Et par équipe, bah Astana, forcément. Ah non, il y a encore les jeunes, ah oui. 10 minutes d'avance maintenant sur Charles Farran. Bon là, plus le contre-la-montre de demain, enfin de demain, de vendredi. Je pense que là, ça va, là. Je pense que il n'y a pas trop de danger. Et voilà l'équipe Astana qui 30 minutes d'avance sur la Team Saxo Bank. Et la Belkin à 1h10. C'était dur. Maintenant, il reste à voir les hors délais. Attention, 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 le suspense. J'ai un peu peur, mais moyennement. Voilà, voilà, c'est ce que je pensais avec. Voilà. Il y a beaucoup de descentes, hein, donc c'est pour ça. Donc aucun hors délai, tant mieux, parce que là, il y avait des tarils, il y avait des tarils qui étaient en danger. Le classement général, donc je vous ai déjà dit les 10 premiers, je vais pas les redire, sinon je vais pas arrêter de lire. Donc Gomis quand même qui a accroché le top 10. Häkkinen, 11e. En grand, Vince Rodriguez, le nul, Zdenchenko, Black War, 16e. The Pin, le Rémi Borgerson, Pelle la Star, Gale Ozora, Desson, 23e. Loïc E, 24. Nous avons Kaplan, Ivanov, Ojoro, Machette, Vroom, 30e. Oui, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est donc 30e, Vroom, 30e. Abibulga, Keval, Banana, Vincenzo Joe. Grosse chute pour Joe, là, 35e maintenant. Cotin, Théo Monfils, André Best, Rose, Ischoft, 41e, Taril, 42e, là, très dur, hein, il finit à 43 minutes 50, là, c'est compliqué. André Best, hein, quand même, qui fait une petite remontée, voilà, en finissant 4e. Bref, ensuite nous avons Arèche, et enfin, Diogo Pérez, toujours 45e. Eh ben écoutez, grosse étape, très très grosse étape, là. Aucun hors délai. Que dire? Moi je suis content, voilà, une belle deuxième place. J'ai bien su accrocher les roues, j'ai bien su gérer, ça a été honnêtement, ça a été compliqué quand même. Puis battre Nibali là, c'était impossible. Mais une 43, voilà, quand on voit les écarts des autres, voilà, ça fait plaisir quand même. En tout cas, demain. Alors, faut que j'arrête de dire demain, c'est pas demain. C'est vendredi, bordel. Le contre-la-montre, alors vous voyez, ça monte direct très fort, ça descend beaucoup, donc une longue descente hein, tout de même. Mais après, là, ça remonte et ça va être voilà, un contre-la-montre monstrueux. Il va y avoir de sacrés écarts. Je sais que Kouam, normalement, devrait faire une belle performance, car vous savez que les contre-la-montre en montée montent comme ça, l'IA le gère très très mal. Donc ça devrait aller. Et dimanche, bah voilà. Dimanche, il y a le monument, l'étape la plus difficile de ce tour extrême. Mais quand je dis difficile, vous allez voir, là, c'est vraiment très, 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 très difficile. Bref, merci à vous d'avoir suivi cette 8e étape. Merci à vous pour vos commentaires, encore une fois. N'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire, hein. Les inscriptions sont là, sont toujours ouvertes, hein. Vous pouvez vous inscrire toute la semaine, il n'y a pas de problème. Sur ce, moi, je vous dis, prenez bien soin de vous. À vendredi pour la 9e étape. Et il ne me reste plus qu'à vous saluer. Allez! Ciao tout le monde et à vendredi. Bye bye. Ciao. Dans une